Bonjour, alors nous sommes le 13. Lundi 13, bien sûr, il y en a une qui râle parce qu'elle a entendu que j'allumais la vidéo. Tu te fous de moi? En plus, tu gardes sa nouvelle mode. Je mets une couverture sur le lit pour elle, pour qu'elle puisse se coucher sur le lit. Dès que je descends du lit, que je sors du lit, vous savez, j'ouvre les draps en voulant sortir. Elle se couche sur le drap. Elle m'énerve. Hein, t'es où là? Tu fais quoi? Elle m'ignore en plus. Bon, alors, nous sommes lundi, comme je vous ai dit. Ma brûlure commence à s'arranger. Voilà, ça me fait un joli bronzage qui ne restera pas, rassurez-vous. ouais, il se voit quasi plus d'ailleurs. Par contre, là-dessous, c'est encore pas mal, ouais. C'est encore pas mal. Alors, vous allez voir que les make-up en ce moment, c'est... Lila, stop! Stop! Tu arrêtes! Tout ça parce que je joue pas avec elle. Vous allez voir que les make-up en ce moment sont hyper rapides, si elle me laisse finir. Parce que je mets rien sur mon teint. Je me suis aperçue en plus que je vais avoir un bouton ici. Je crois que vous le voyez peut-être. Il me fait mal. Alors, je peux pas mettre du citrouille parce que je vais sortir dehors. Donc, on sait que c'est pas très conseillé. Donc, je mets. J'ai une coupure aujourd'hui au boulot. Et à cette coupure, je veux. Aller faire les magasins qui autour. Je vais pas rentrer, j'ai qu'une heure et demie, je rentre pas. Je vais manger avant de partir. Il faut que je me bouge pour avoir le temps de manger d'ailleurs. J'ai pété ma montre. Je sais pas. Vous avez vu le réflexe de vouloir enlever mes lunettes alors que je les ai déjà plus sur le nez? Enfin bon. Et si j'ai le temps, s'il me reste un chouï de temps que j'ai pas trop traîné dans les magasins parce qu'il n'y avait rien qui me plaisait ou quoi. Je veux laver ma voiture parce que on a eu des pluies boueuses. Alors, déjà. Et de deux, nous avons ces chers et tendres pigeons qui s'éclatent. Mais alors, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point qui s'éclatent à me badigeonner tout un côté de la voiture. Puisqu'elle est garée contre le mur. Ils se mettent au-dessus, bien sûr, sur le mur du dessus, enfin, sur le toit qui est au-dessus, juste au-dessus. Et ils me badigeonnent à la voiture. Ils sont adorables. Il me fait mal, sûr. Donc, voilà, c'est charmant. Et donc, je mets de la crème parce que je me dis, si je nettoie la voiture en plein soleil, soyons un peu plus intelligents que la dernière fois. Enfin, la dernière fois, j'avais sur le visage, c'est sur l'épaule que j'avais pas. Bon, bien sûr, là je suis rouge. Je pense que vous en apercevez. Puis, ça c'est normal. Hein, j'ai touché mon visage. En plus, je trouve qu'elle floute un peu celle-là. Elle unifie un peu. C'est peut-être moi hein, qui ai fumé et qui est. Voilà. Mais j'avais vraiment cette impression-là. Je vais pas faire un truc trop compliqué parce que de toute façon, je n'ai pas hyper de temps. Ah, je n'ai pas du tout hyper de temps. Alors, j'ai dû couper. Puisque, en voulant prendre la palette, je charge mon portable en même temps là. Parce que souvent, quand je fais une vidéo, ça me vide la batterie. Et comme après, je ne rentre pas du tout à la maison, je le mets à charger en même temps que je vous filme cette partie. Et j'ai accroché le fil, bien sûr. Parce que sinon, c'est pas marrant. Hein. J'ai accroché le fil. Lila, tes pattes. J'ai sorti en voulant sortir celle-là. Voilà. Celle-là, j'ai tout emporté avec moi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, nous avons été. Alors, je vous ai mis une petite séquence. Alors, j'ai essayé de parler pour les grillons et tout. J'étais pas bien réveillée et ça ni queue ni tête donc du coup j'ai enlevé la séquence et je vous ai juste laissé en intro les cigales et les grillons
En plus, les chèvres sont revenus et tout. Enfin bon, passons. Donc, ouais, hier, nous avons été chez un copain. On a passé l'après-midi là-bas. On s'est éclaté. Malgré la pluie qui a débarqué, alors qui n'était pas prévue. Donc, je vous dis pas. Le petit piaf, il va toujours bien. Voilà, on va le voir tous les jours. On lui remet de l'eau et tout. On regarde qu'il aille bien. Enfin, hier, il allait bien. J'espère qu'aujourd'hui aussi. Petite anecdote. Bon, j'ai mes voisins d'à côté qui ont déménagé. On ne les a pas vus déménager. Par contre, ils nous ont laissé le chien aboyer pendant 2 heures avant-hier, dans la nuit de vendredi à samedi. Sans doute qu'ils amenaient des derniers trucs, mais sachant que le chien, il aboie pour un rien, tu laisses pas les fenêtres ouvertes et le chien tout seul, quoi. Je vous dis pas, ça a réveillé tout le quartier, mais bon, sorti de ça. Ce matin, je sors la grosse, comme d'habitude. Je vous ai déjà expliqué que je sortais la grosse en voiture. Et là, je démarre la voiture et je vois un chat qui sort de dessous ma voiture et qui va se réfugier contre le mur, qui ne savait pas trop quoi faire, il ne savait pas trop où aller. Ça se voyait que ce n'est pas un chat qui vagabonde d'habitude, quoi. Et en le regardant, je me suis purée, mais on dirait le chat de ma voisine. J'ai une voisine en face qui a un chat. Qui n'est pas habitué à sortir du tout, puisqu'on en a parlé, donc je le sais. Et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il sort sur sa terrasse. Et qui est assez bien fermée et tout ça. Donc, pourquoi il me pique celui-là? Il y a un endroit, il me pique. Je suis purée, on dirait vraiment le chat de la voisine. Donc, j'étais pas tranquille pour le chat. Enfin, je reconnais que c'est pas le mien, mais bon. Par mesure de précaution, on va dire. Je me suis dit, je vais appeler ma voisine. Enfin, appeler. Envoyer, parce que j'appelle pas. J'envoie un message. Envoyer un message à ma voisine, savoir si elle a pas, si son chat est bien dedans, quoi. Il y a plein de monde dans le village. Ça peut être un chat d'ailleurs. Mais il était très ressemblant, quand même. Et donc, je réfléchis à ce que je vais mettre. Je crois que je vais faire un combo avec celle-là. Je vais mettre le lumineux, je vais mettre de celle-là. Voilà, ça me travaille un peu, donc j'envoie un message et elle me dit, ben, je vais voir. Je reviens parce que la grosse, il y avait les chèvres et tout. Enfin, voilà, elle n'était pas décidée à faire quoi que ce soit, donc c'est bon, on s'en va. Donc je reviens, pas longtemps après. Et en voulant, en manœuvrant, comme je vous ai dit, je recule dans ma rue, je crois que je vous l'ai dit. Je vois que le chat est sous la voiture, sous une voiture sur le petit parking qui est à côté. Je me suis dit, ça me travaille, ça me. Je regarde, je la vois pas elle. Je mets Lila en bas. On dirait un bébé la façon qu'elle dort. Je mets Lila en bas et je me dis, bon, je vais aller voir si je vois la voisine pour lui dire. Pour lui dire que si elle le cherche, il est là, quoi. Je regarde, je vois personne. Donc du coup, je m'approche tout doucement du chat. J'ai déjà caressé à son portail. Je me suis dit, si, avec un peu de chance, il va me reconnaître, quoi. Et j'ai chaud. J'ai mis la clim juste avant, mais. Et j'y vais, donc je l'appelle. Excusez-moi pour le bruit, hein, du coup, parce que je l'ai fait tomber, donc maintenant il fait un peu de bruit. Je l'appelle, puis il vient en miaulant et tout, le pauvre. Il s'approche sans s'approcher. Il s'approche de moi, mais il veut pas trop que je touche. Il souffle pas rien, mais il s'éloigne dès que je tends la main, quoi. Et je vois que je passe devant, comme pour retourner dans ma rue, et il miaule. Je l'appelle, je viens, et là il s'approche de moi, donc j'arrive à le caresser un peu. Et on avait l'impression qu'il m'attendait. Donc il commence à s'avancer dans la rue, style est-ce que c'est la bonne rue? Oui, je parle chat couramment, vous avez bien compris. Et du coup, je le suis, quoi, tout doucement. Ça, je voulais pas lui faire peur et tout, mais je voulais le rapatrier devant chez lui. Et là, je vois le portail de la voisine qui s'ouvre. Je regarde si je la vois pas. Et le chat, en entendant le bruit du portail, il a eu peur. Et il est parti sous le. C'est un garage, mais qui est ouvert, du resto. Et là, je vois un jeune sortir. Je connaissais un de ses fils, mais celui-là, je l'avais jamais vu, parce que ça fait pas longtemps qu'elle est là, la voisine. J'ai dit, excusez-moi, vous n'auriez pas perdu un chat?
me dit, ah, c'est vous, ma mère m'a dit que la voisine avait vu, avait peut-être vu le chat, de le chercher, mais sans doute parce que je ne le trouve pas dans la maison. Je dis, ben, il est là, là-dessous. Donc j'ai été avec lui. On a regardé, il s'était caché derrière la poubelle. Il a fallu qu'il trouve un truc pour le faire, qu'il sorte, quoi. Et là, on l'a vu partir en courant. On s'est dit, allez, ça y est, c'est bon, on va courir après, quoi. J'allais pas le laisser comme ça. Oups là, excusez-moi, c'est parce que j'avais ça qui était par terre. Et du coup, je vois passer et il part direction donc ma maison à moi, mais sa maison à elle aussi. Et là, d'un coup, il tourne la tête, je dis, dans le garage, dans le garage. Il m'a pas entendu, c'est moi qui souhaitais qu'il aille dans le garage. Et là, il tourne la tête, il voit le garage, il a foncé dans le garage. Il dit, bon, c'est bon. Il m'a remercié sa mère parce qu'elle n'était pas là. Il m'a envoyé un message pour me remercier et tout. J'ai dit, mais il était tout seul, apeuré, j'avais pas le laisser tout seul dehors. Hein. Je crois qu'elle va vite. Ça fait 2-3 fois que je lui envoie des messages par rapport à son chat. Il dit, putain, mais on n'a pas intérêt à se rater parce que. À chaque fois, parce qu'une fois, on voyait le chat sur la terrasse qui miaulait, mais tout était fermé. Du coup, j'ai envoyé un message en me disant, est-ce que vous savez que votre chat, il est dehors, quoi? Elle m'avait dit oui. Mais là, apparemment, il s'est échappé. Elle me disait qu'ils n'ont pas compris par où il est sorti. Ouais, ben voilà, je traîne en attendant. Donc, enfin voilà, j'ai fait ma BA du jour. Écoutez, je suis contente. Non, franchement, c'est con parce que c'est pas mon chat, mais. J'aurais eu mal au cœur de dire que il est passé sous une bagnole de la peur, quoi. Parce qu'il était apeuré, ça se voyait. Ça m'aurait, ah moi, ça m'aurait foutu en l'air de savoir que ben oui, qu'il était foutu en l'air par une bagnole parce que j'ai pas prévenu, parce que j'ai cru que c'était pas celui-là. Je préfère prévenir dans le vide et qu'on me dise, ah ben non, c'est pas mon chat, il est bien à la maison. Bon. Je vous dis, il ressemblait très fortement. Un chat roux, Angora et bien nourri. Je crois pas qu'on en ait beaucoup encore dans le, qu'on en ait beaucoup dans le village comme ça. Donc, je préférais passer pour une casse-nouille. De dire, allez encore, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non mais elle va lui foutre la peine, mon chat, quoi. Que de dire, je préviens pas, et enfin voilà. Donc, petite anecdote du jour. Hein. Moi, je suis contente de moi. Ben, quand je sais à qui appartiennent les animaux, même si je suis pas sûre, je préfère prévenir. Parce que je me dis, si un jour, moi, un de mes chats tombe de la terrasse et qu'il le voit, par exemple, que quelqu'un qui me connaît les voit. Qui viennent me prévenir, me dire attention, vous avez un des chats qui est tombé. Je fais d'abord une crise cardiaque, après je cours chercher mes chats. Non, parce qu'en général, ils sont pas dehors sans moi. On les laisse pas sortir sans nous. Voilà, ils sortent pas du pont à cause du piaf, ils sortent plus du tout sur la terrasse. Parce qu'on attend que le piaf se remette. Se remettre pour comment ça s'appelle pour leur relaisser sortir les chats parce que bon bah il est sur la terrasse donc on n'a pas non plus envie que ces messieurs dames ce monsieur et ces dames se jettent dessus on l'a pas sauvé pour qu'il serve de casse-croûte quoi voilà. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous raconter une petite alors. Je vous avais eu l'anecdote de ma BA de la journée. Et je vais vous raconter une anecdote de boulot. Je comprends pas les gens. Je comprends pas les gens. Comment ils peuvent être aussi. Ah, disons-le, con, quoi. Oui, con. Faut le dire. Quand c'est ça, il faut le dire. Donc. Je vais pas chercher à mettre le liner. Il n'est pas totalement aussi sec que celui d'Azelia, mais il est pas mal quand même. Hein. Je vais essayer de le mettre parce qu'il se met quand même.
Il est. Il faudrait que j'achète du Duraline, je crois que c'est ça. J'y ai pensé déjà, mais il va falloir que je le fasse parce que j'ai pas envie de jeter non plus. Je sais pas si mettre un liquide dedans, ça marcherait. Si vous avez des astuces à la place d'acheter du Duraline, n'hésitez pas. Parce que vous voyez, Attends, j'ai mis la dose hein, sur le pinceau. Du coup, il est pas intense, rien. Enfin, voilà. Donc, j'étais à Lavin. Lavin, c'est une caisse relativement tranquille. Enfin, j'arrive à Lavin. Ma collègue, celle qui était à la caisse centrale, m'appelle, me dit, est-ce que tu peux aller remplacer Sandrine, donc ma collègue, à la 9. Donc là, prioritaire, pour rappel. Je suis oui, il n'y a pas de raison. Bon, j'arrive, là, il y avait deux Belges. Bon, c'est pas elle le problème. Ils ont juste mis trois plombes à comprendre comment changer de monnaie sur la machine, mais ça en soi, c'est pas le plus grave. Je vois arriver une dame en fauteuil. Donc, je demande à une des dames si elle est prioritaire, parce que j'avais fini le premier caddie. Elle me dit non, parce que vous êtes sur une caisse prioritaire et la dame risque de vouloir passer. Ah, pas de problème et tout ça. Excusez-moi, on n'a pas vu. J'ai dit, mais c'est pas grave, de toute façon, on prend tout le monde. Vous inquiétez pas, c'est juste, il faut laisser passer. Et donc, je m'approche à la dame, que je connaissais pas. Hein, je lui dis, bonjour madame, est-ce que vous voulez passer? Il n'y a rien. Non, non, mais d'un air vexé, quoi. Et je vois qu'elle s'en va. Bon, bah, écoutez, je dis, bon, bah écoutez, le problème est réglé, la dame, elle est partie. Sur le coup, moi, je me suis dit, elle a oublié quelque chose. Voilà. Je la vois revenir, mais 5 minutes après, à peu près. Et j'entends, madame, madame, madame. Je vais la voir, je lui dis, oui, vous avez un souci, vous voulez passer? Sur le coup, moi, je croyais qu'elle me parlait à moi, mais non. Elle cherchait à parler à ma collègue, puisque nous avons le libre-service juste à côté, donc les caisses automatiques, juste à côté. Et elle essayait d'appeler ma collègue. Allez, je me suis foutu quelque chose dans l'œil. Je vous ai dit, hein, c'était quasiment tout le temps. Ma collègue, je voyais qu'elle l'ignorait, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, je vais vous expliquer après pourquoi, mais je vais d'abord vous dire. Et donc, là, cette chère et tendre dame, je lui ai dit, est-ce que vous voulez passer? Elle me dit oui. Et là, je vois, elle commence à râler. Toute seule, fait, alors elle devait être ou suédoise ou un truc comme ça, ou hollandaise, ou j'en sais rien, pas française et pas anglaise, c'était pas de l'anglais. Je vois qu'elle râle et tout, j'ai vous avez un souci, il y a un problème. Et là, elle commence à me dire, ouais, c'est pas normal. Je dis, ben, je sais pas, je vous ai fait passer, moi je pensais que c'était par rapport à la situation. Et là, je lui dis, il faut me vider votre sac, enfin le cabas. J'ai dit sac. Et j'attends, et je lui dis, mais il me faut voir dans votre sac. Et elle parle, ouais, c'est pas normal. Je lui dis, il me faut voir dans votre sac. Et j'insiste bien, comme quoi il faut que je voie dans le sac. Le cabas. Je lui dis, enfin, le cabas, quoi, il faut que je voie dedans. Et elle veut pas le lâcher, elle le tenait sur le doigt, elle, et elle voulait pas le lâcher. Donc moi, je passais ses articles, je les bipais, mais je gardais tout devant moi pour pas qu'elle les mette dans le sac. Il fallait que je voie dans le sac. Elle m'a saoulé de ne pas vouloir me montrer. Puis au bout d'un moment, quand elle a vu que je lâcherais pas. J'ai dit, non, mais madame, il faut que je voie dans votre sac. C'est une obligation, j'ai pas le choix, c'est la règle, vous êtes obligé de me montrer votre sac. Elle m'a jeté le sac sur la caisse, hein, donc j'ai juste retourné, j'ai vu qu'il n'y avait rien, j'ai pas compris pourquoi elle avait fait un flanc pour pas me le montrer, mais bon. À un moment, elle commence à baragouiner, j'ai dit, madame, ça serait bien que vous parliez français, que je puisse comprendre quand même. Ouais, pas français, pas français. Puis après, elle me sort en français, donc. Comme quoi, ça fait 10 ans qu'elle vient et que ça fait 10 ans qu'elle passe au libre-service. En fauteuil. C'est un fauteuil. Je sais pas si je voulais préciser. Je crois que oui. La dame était en fauteuil. J'ai 10 ans en libre-service. Vous êtes sûr? J'ai 10 ans, ça m'étonnerait déjà. C'est pas possible parce que ça fait pas 10 ans qu'on a les machines. Donc, voilà. Si, si. J'ai dit non, non. Déjà, ça fait pas 10 ans. Oui, ben. Pff. Et après, j'ai dit, mais vous êtes sûr? Parce que vous avez vu la hauteur des machines. Rien que pour moi, j'ai du mal. Vous avez vu la hauteur des machines? Vous. Oui, ça fait 10 ans que je viens ici, c'est pas normal.
D'accord, mais là, au Liban, oui, là, ça fait bizarre quand même. Et donc, elle s'en va en bas à Gouina, en râlant, c'est une chieuse, quoi. Je vais voir ma collègue après, une fois que celle que je remplaçais est revenue, qui était bien contente de ne pas être là à ce moment-là. Elle a tout vu, mais. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, eh ben, elle est venue, elle voulait passer au libre service. Sauf que les fauteuils, on ne peut pas. Alors, déjà, elle a commencé parce que, en plein milieu du passage, on a mis un support avec du gel hydroalcoolique. Ce qui fait que les gens sont obligés de passer par le côté, et voilà, fait. Et déjà, elle a commencé par. On a l'air de dire, ça gêne. Ben, oui, mais de toute façon, vous passez pas avec le fauteuil. Et pourquoi? Et non, si, si, je veux passer là. Et elle dit, vous n'arriverez pas aux machines. Les écrans sont hauts. Elle a rien voulu savoir. Et après, donc, elle m'a fait scandale. Donc, c'est. Alors, en plus, comme on lui a dit, on dit, mais madame, vous avez une caisse qui vous est dédiée. Elle vous est dédiée, celle-là de caisse. Et je crois que quand t'es con, que tu sois en fauteuil ou pas, ça change pas grand-chose. Quand t'es con, t'es con. Voilà. Et elle faisait partie des gens qui sont très cons. Elle nous a saoulés. Ben voilà, petite anecdote. Je vais vous laisser là parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de manger. Je vais être à la bourre. Je pars dans une demi-heure. Un peu moins d'une demi-heure. Donc il me faut le temps de faire cuire et de manger. Il faut que je fasse cuire la part de mon homme. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous! Bonjour. Alors nous sommes le 14. Il est 9h, je crois. Ou un peu plus de 9h. Je sais pas. Ouais, je sais pas d'ailleurs. En réalité, je suis réveillée depuis 7 heures. Donc, voilà, j'ai traîné et tout, surtout pour elle, pour pas que ça fasse trop tôt après. Donc voilà. Alors, c'était juste surtout pour vous faire un petit coucou. Là, on vient de. J'ai bien fait de retourner à la voiture pour aller chercher les lunettes de soleil. Parce que bah, il y avait 4 randonneuses qui sont remontés là par la route à 2 minutes près, ben on se les croisait plus bas, donc il aurait fallu que je la tienne. Alors elle râlait, alors que là j'ai foutu dans la voiture, j'étais tranquille. Il n'y avait pas de vent plus haut. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, ça pèle. Putain, ça fait chier, j'ai hydraté un max pour pas que ça pèle et ça pèle quand même. Je suis dégoûtée. Je parle de mon coup de soleil si vous n'avez pas, mais bon, je pense que vous aviez compris quand même. Sinon, à part qu'on a eu des cas plutôt pas mal hier au magasin, hein. On a l'impression, alors on pense forcément que ce n'est pas une impression, hein, que les gens deviennent de plus en plus cons. Mais c'est grave, quoi. Entre ceux qui sont pressés alors qu'ils sont en vacances, putain, mais profite de tes vacances au lieu d'être pressé. Ou retraités d'ailleurs, parce qu'on a le cas aussi avec les retraités. Toujours pressés alors qu'ils sont en vacances. Ou alors les retraités, c'est les derniers à venir au magasin maintenant qu'on ferme un quart d'heure de plus tard. C'est aussi eux qu'on voit en dernier au magasin. Enfin, de toute façon, c'est les habitués, c'est pas les touristes qu'on voit à la fin. Très peu, quoi. Et puis là, la façon de réagir, la façon de. Tu manges quoi, toi? Oh! File! File! Je sais pas ce qu'elle mange. C'est quoi comme arbre qu'il y a au-dessus? Bah non, c'est pas un figuier. Je me méfie parce qu'on sait jamais. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas nourrie, cette chienne, donc il faut bien qu'elle se nourrisse quand elle sort dans la campagne. Hein. Ça se voit qu'elle est maigre. Putain, je vous jure. Apparemment, c'est le sang de Labrador qui fait ça. Les Labradors n'ont pas de sensation de satiété. C'est ce qu'on m'a dit. Et ben, elle n'a pas de sensation de satiété et elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe. Putain, j'entends un chien. Oh là là. Donc, nous ne travaillons pas ni l'un ni l'autre, mais parce que. Alors, moi, c'est parce que mon magasin est fermé. Mais lui, c'est parce que c'est son jour de repos. Voilà, parce que sinon, il aurait bossé. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour les clients, mais c'est.
On a vraiment l'impression, c'est on est des merdes. Désolé pour le vent. On est des merdes. Fait voilà, je sais pas, je comprends pas. Qu'il n'y ait pas de respect comme ça, je comprends pas. Ils ont arraché la vigne. Alors, pour celles qui arriveraient ou quoi, prenez mes anciens vlogs. Pendant le confinement et tout ça, je venais que là pendant le confinement, puisque ça faisait, au niveau de la distance, j'étais bonne, alors que de l'autre côté, je ne l'étais pas. Il y avait une vigne. Et ils ont arraché la vigne. Alors, je sais pas, de plus en plus autour de chez moi, les gens arrachent les vignes. Est-ce qu'elle était trop vieille et plus productive, et du coup, vous savez, il faut qu'ils les arrachent, qu'ils changent les pieds. Je crois que c'est tous les 15 ans, hein, à peu près. Il faut qu'ils changent les pieds, et après ils replantent, mais il faut qu'ils laissent pendant un an, je crois, la terre vide pour que ça soit de nouveau fertilisé. Mais ça me fait bizarre qu'ils aient tout arraché comme ça. C'est pour ça qu'elle n'était pas traitée, pas labourée, rien, cette vigne. D'accord. Mais ils en arrachent de plus en plus. Et il y en a qui ont arraché, qu'ils n'ont pas replanté. Il y en a qui avaient replanté il y a peu de temps et qu'ils ont arraché. Alors, j'ai cette réaction parce que je me dis que c'est des terrains qui vont être vendus. Et tout terrain vendu, en général, c'est. Regardez ces bandes de cons. Non, mais. Regardez ça. Des morceaux de verre, des pétards. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est un pétard. Tout ça dans la nature avec de l'herbe à côté, enfin de l'herbe sèche. Il m'énerve. C'est des jeunes, hein, mais là, la bouteille, elle est éclatée par terre. Une bestiole, elle peut se blesser dessus. Je vous jure. Voilà, un morceau de verre là. À vif. Putain, c'est quelque chose qui m'exaspère, la connerie. Tu es jeune, tu veux faire le con, bon, c'est une chose, mais putain, mais prends tes responsabilités, tu prends ta bouteille, tu vas la jeter au truc de verre après. Tu la laisses pas là. Ou tu la poses droite dans un endroit qu'elle se casse pas. Quelle bande de cons. Oh, ça m'énerve. Ça y est, je suis énervée. Ben dis donc, enfin, je suis énervée parce que je me dis pour des bestioles sauvages ou quoi qui se blessent dessus, elles peuvent en crever parce qu'elles peuvent pas, enfin, elles vont pas se faire soigner, hein, elles vont pas aller au véto. Je me dis aussi que ma fille peut se blesser dessus et aller au véto un 14 juillet, ce serait pas mal, en urgence. Je trouve que l'irresponsabilité des gens m'exaspère de plus en plus, mais vraiment. On parle de l'écologie, la planète, patati, patala. Et quand on voit le gaspillage et le. Je vous en ai déjà parlé, je crois que c'est dans la vidéo sur les caissières. Le gaspillage, enfin, tout ce qu'on jette quoi, à cause de la connerie des gens. Tu veux pas ta tranche de jambon parce que tu as changé d'avis. Tu la ramènes au rayon si c'est de la coupe. Tu le remets dans le rayon si c'est du libre-service. Enfin, je sais pas. Non, ils nous les planquent dans les bonbons. Sauf que quand tu es en train de bosser et qu'il y a beaucoup de monde, tu fais pas forcément attention. Les surgelés, pareil. Ils nous les planquent pour pas qu'on voit qu'ils les veulent pas. Enfin, faut être con, quoi. Donc, c'est des choses qui m'exaspèrent de plus en plus. Regardez là. Je sais pas si vous allez voir. Pas si vous voyez, moi je vois rien dans mon écran là, ça fait des petites boules rouges, ça fait bizarre, je sais pas ce que c'est du tout. Donc enfin voilà, c'est des choses qui ont tendance à m'exaspérer. Là, je pense qu'à ma gueule, je sais pleurer quand il faut pleurer, facile pour le confinement et tout, il y en a beaucoup qui ont pleuré, mais la planète, qu'est-ce qu'elle se trouvait bien là. Et quand on te laisse ressortir, tu refais des conneries. Donc, enfin, je comprends pas. Je vous jure, dans le magasin, je peux être méchante. Quand je m'aperçois que les gens me laissent, alors quand c'est des trucs qui sont pas périssables, je m'en fous un peu. Ça me saoule parce que on dirait qu'on va leur faire payer. Donc, je leur dis, non, mais vous pouvez me le donner. Au moins, comme ça, moi, je le mets en vue. Ma collègue, quand elle passe, elle la ramasse, quoi. Mais au lieu de planquer dans les bonbons, là.
Mais quand c'est du frais, style du fromage, de la charcuterie, du poisson, oh comment je peux devenir méchante, ça me saoule, ça me saoule. Je dis, non mais il faut le dire, on va pas vous le faire payer quoi. Enfin, après ça part à la poubelle, faut pas. Puis tu peux, je le dis pas, mais bon je le pense fortement que tu peux bouger ton cul pour aller le ramener au rayon. T'as su le prendre, c'est le ramener. Enfin voilà, c'est. Ça y est, je suis énervée. Tout ça à cause d'une bouteille. Non, mais c'est ouais, c'est la connerie des gens qui m'énervent. Je vais essayer de. J'enlève 2 secondes, j'enlève les bouts qui sont à vif là. Je les mets tous ensemble. Parce que je vous dis, j'ai peur qu'il y ait une bestiole qui se blesse dessus, quoi. Je me désinfecterai les mains à la maison. Mais. C'est là et dans ce sens-là, mais je vais quand même l'enlever. Je vous jure, ça leur aurait coûté quoi? Et il manque une partie de la bouteille, donc je ne sais pas où c'est parti. Est-ce qu'ils ont mis un pétard dedans et. Je sais pas. Ben, de toute façon, le pétard n'aurait pas fait péter la bouteille, je pense pas. Voilà, ils ont laissé tous les déchets là. C'est génial, c'est magnifique. On peut pas dire que les jeunes ne sont pas au courant maintenant, hein, parce que c'est on en entend parler en long, en large et en travers. Il y a beaucoup de jeunes qui sont même très engagés, des très jeunes. Ah voilà, là il y a un petit bout. Bon, je voulais vous montrer un autre petit coin pour ceux qui arrivent et puis vous remontrer ce coin-là à ceux qui me suivent. J'aurais mieux fait de pas venir. Bon, enfin, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas à moi de m'énerver, mais bon, c'est des choses qui m'exaspèrent. L'autre fois, je sais plus où c'est que je suis passée. Où c'est qu'on a été que. Je crois que c'est quand on a été chez le copain. Je disais à mon ami, les gens sont crados. Il y a des poubelles, ils te posent des trucs devant les poubelles, hein, au lieu de les mettre dedans. Bon, elle était peut-être pleine, mais il y a des trucs, vous savez, les poubelles d'air de pique-nique, là. Il y a des choses qui n'ont rien à foutre là. Style, comment ça se fait que tu te retrouves avec des sièges, enfin, des chaises, des fringues et tout à cet endroit-là? C'est une aire de pique-nique. Tu es censé y mettre les déchets de ton pique-nique. Enfin, ça, quand tu vois qu'en pleine nature, tu as des sacs McDo, des trucs comme ça, non mais tu te dis pas que si tu avances un peu sur la première, premier petit village, il va y avoir des poubelles, tu peux jeter dedans. Tu es trop con pour t'avancer un peu. Enfin bon. Je suis en forme ce matin. Je suis en forme. Désolée. C'est. Voilà, désolée. Ah, là, il y a une bestiole. Enfin, un piaf qui s'est fait déplumer, je crois. Ou c'est les chardons. Non, c'est les chardons. On dirait des plumes. Hein. Non, non, c'est les chardons. Ah, excusez-moi. J'espère que vous n'avez point vu. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Ouais? Bon, enfin. Sinon, à part ça. Ouais, non, mais je pense que j'ai resquitté d'hier. Hier, j'ai fait. Ah oui, je crois que je voulais dire avant de partir. Je faisais journée coupée hier. Et après, en plus, j'étais à la 9 en deuxième partie. Et c'est vrai qu'on a eu des cas plutôt pas mal, quoi. Enfin, c'est un du matin qui m'a bien mis en forme. Et comme on a eu que des. Et on peut le dire, des casse-nouilles toute la journée, quoi. Je sais pas, c'était la journée hier. Pas que moi, hein, avec mes collègues et tout. On a eu une bonne dose de casse-nouilles, plus la machine en panne. Vous savez, la machine qui nous compte nos caissons. Enfin, nos caisses. Le tout ajouté, ça nous a bien mis en forme. Après, j'ai voulu aller parce que face à mon boulot, il y a Chaussea et la Halle, pour le moment encore. Parce que la Halle, apparemment, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais on a entendu parler que ça devait, c'était vendu, ça coulait. Donc, on a eu ça. Donc, on a voulu aller à la coupure, j'avais 1h30. Donc je me suis dit, bon, on va aller en face, on va passer le temps, quoi.
chaussée à ouvert, ok, j'ai pris deux petites paires de tongs, voilà, basta. Et parce que les miennes ont 2 ans et sont trop vieilles. Et oui, je tombe parce qu'il y a la voiture. Et je me suis dit, je vais aller à la halle, puisque c'est à la halle que je trouve les soutifs dans lesquels je suis le mieux. Et puis je voulais voir le reste, voir s'il n'y avait pas des trucs intéressants. Et bien, ils visaient le pont. Alors, c'est bien pour eux, hein. C'est la première fois en 15 ans que je travaille au magasin que je vois que ce magasin fait le pont. Voilà. C'est là qu'on se dit, ouais, le magasin doit vraiment être en train de couler. Et comme disait mon homme, c'est peut-être parce que les employés ne voulaient pas... Alors, attendez, je vais faire ça. Les employés ne voulaient pas travailler, enfin, voulaient faire le pont, quoi. Et que du coup, ils ont dû dire, bon, ben, on va pas payer pour rien. Et on ferme le magasin. Enfin, payer pour rien. Qui est qu'une personne, par exemple, qui pourrait pas tout faire, quoi. Enfin, je sais pas, où il n'y en a aucun qui a voulu bosser et qui a dit on pose tous, on ferme, donc on pose tous pour faire le pont, et puis voilà, peut-être pour se venger, j'en sais rien. Je fabule. Enfin, je sais pas. Oh putain. Bon, je vous laisse parce que je viens de voir un chien. Allez, bisous. Bonjour, un petit coucou rapide, j'ai pas mis le micro, hein, donc voilà, en cas où s'il y a une différence. Ouais, vraiment un petit coucou rapide. C'est le premier jour des soldes aujourd'hui, nous sommes mercredi 15. D'abord, dans les grandes nouvelles que nous avons eues, port du masque obligatoire à partir du 1er août dans tous les endroits clos. Et j'ai peur que nous, ça devienne une obligation même quand on est toute seule en caisse. Ça va être top. Je sais pas, hein, mais bon. Vu que de toute façon c'est les travailleurs qui morflent le plus. Oui, je suis désolée. Et donc oui, premier jour des soldes, donc je me suis réveillée relativement tôt. Enfin relativement tôt. Quand mon réveil a sonné, voilà, au lieu de le faire ressonner, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est les soldes, je vais aller sur Sephora puisque j'ai l'application. Et il vide tous les placards ou quoi? J'ai trouvé qu'il y avait énormément de produits cette année par rapport à d'autres, des grandes marques, assez bien soldées, voire très bien pour certains. Donc j'en ai pour 200 euros. Voilà, 196 euros et quelques de mon panier. Pas validé, bien sûr. Non, en réalité, j'ai mis tout ce qui me plaisait dans le panier. Après, je fais un tri. Il y a déjà un premier tri qui se fait tout seul, puisque bah, il y a des produits qui disparaissent au fur et à mesure des heures. Et donc déjà ça. Et puis après, je vais refaire un tri, mais on va à Sephora demain. Donc, est-ce que je passe vraiment une commande aujourd'hui? Enfin, quand je rentre, hein, puisque là, je fais 10h, 16h. Je fais les courses après et après, je rentre. Est-ce que je valide? En rentrant, est-ce que je valide pas? Voilà, ça, alors ça, c'est moi tout craché. Azélia pour en témoigner. Alors là, je fais une blague. J'ai pris un capture d'écran le total de la commande virtuelle. Hein, et je lui ai dit que j'avais craqué mon slip. Je lui ai pas dit que j'avais pas. C'était pas validé, quoi. J'ai juste dit que j'avais craqué mon slip. On va voir si elle y croit. Si elle me connaît bien, elle va pas y croire. Après, elle peut, si elle est au réveil ou quoi, elle peut peut-être être. Voilà. Par surprise, vous savez, on ne réagit pas tout, on ne réfléchit pas de suite. Donc, on va voir si elle me connaît bien. En plus, j'ai mis en premier, l'image, c'est la terracotta. Parce que je rêve d'avoir une terracotta. Mais là, je pense que je risque de valider au moins la terracotta. Il y en a une édition limitée qui, au lieu de 64 euros, elle passe à 32. Et je rêve d'une terracotta, ça fait plus d'une... Ça fait longtemps. J'allais dire une dizaine d'années, mais je crois que ça va au-delà parce que c'est très vieux la terracotta et j'ai toujours rêvé d'en avoir une. Et pourquoi, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est un produit mythique, voilà, que j'aimerais. Et sinon, il y en a une plus simple à 30, 31 euros aussi, mais j'aimerais bien l'édition limitée quand même. À tout faire, autant prendre l'édition limitée. Donc on verra si quand je rentre, elle est encore dispo. Si elle est dispo, je risque peut-être de valider au moins la terracotta. Et sinon, bah écoutez, tant pis, j'aurais raté encore une année. Puis voilà, chaque année, je me dis, je vais me l'acheter, je ne l'achète pas parce que ça me raque pour juste un bronzer, mettre 30 euros, 30 ou 40 euros. Bah, d'habitude, ils sont plutôt à 40 euros. Et je reconnais, hein, j'ai du mal.
Mais je me suis dit, bon, cette année, il faudrait. Ben, où tu vas là? Allez, viens! Allez! Peut-être que je valide. J'ai pas 2 heures cocotte, hein? Youpi! Je sais pas l'heure qu'il est, j'ai pas entendu l'église. Attendez, juste, je vous fais bouger 2 secondes, mais. Ah ouais, il va falloir y aller. C'est la demi. C'est la demi. Donc il va falloir que je la ramène à la maison. Donc ouais, donc premier jour des soldes. J'ai fait un pré-panier sur CA hier pour essayer d'avoir la robe bleue. Comme la moutarde. J'aimerais bien la voir. J'ai fait un pré-panier, j'espère qu'elle sera encore dispo. Mais ça me fait chier parce que le minimum d'achat pour les frais de port, c'est 30 euros, je crois. Ils sont gentils, c'est là, mais bon. J'ai pas forcément envie d'acheter 30 euros chez eux, quoi. Là, je veux acheter la robe parce que je sais qu'elle me va, mais j'ai pas envie d'acheter forcément autre chose. Et apparemment, il n'y a pas de livraison gratuite en magasin. Je suis dégoûtée. Je regarderai mieux et puis dans les prochaines séquences, vous saurez si ça a été fait, si j'ai validé ou pas. Excusez-moi, fausse manip, ça a coupé. Donc, je disais que normalement, j'aimerais bien aller à Toulouse. Et il y a un CA à Toulouse. Après, je peux toujours passer au mien pour voir s'ils n'ont pas reçu des stocks d'autres magasins pour la robe. Mais, je rêve pas trop. Là, demain, avec Azélia, on va, comme je vous ai dit, à Sephora. Au retour, je passerai quand même à CA. Voir si elle y est, la robe. Du coup, j'ai un panier Chine de près, mais je vais rien valider là tant que j'ai pas fait mes soldes. Voilà. Ou alors, je vais juste valider. Parce que je crois que les frais de port sont à 10 euros là en ce moment. Il y a des accessoires que je veux. Et peut-être un petit top, parce que j'ai peur qu'il soit plus après. Sinon, bon, tant pis, hein, je retrouverai dans le même style. Enfin, c'est un t-shirt. Mais peut-être juste valider les accessoires. Pardon, parce que c'est des bandeaux dentelle pour ce qui est un peu trop décolleté. C'est les soutiens-gorge adhésifs là. Parce que je veux tester, et je pense que c'est la bonne période pour tester ce genre de choses. Et des ceintures, voilà. Donc je me demande si je ne vais pas juste valider les accessoires. Je ne sais pas. Enfin bon, écoutez, je vous fais juste un petit coucou le temps que madame fasse son affaire. Je suis dégoûtée et les piafs commencent à me saouler. Alors, je parle des pigeons. Bon, je dis ça, mais je fais rien pour qu'ils partent. Hein. Mais j'ai lavé ma voiture. Je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai lavé ma voiture. Putain, il y a de nouveau des merdes. Et ils ont chié sur la poignée de la porte. Bande de petits cons. Mon homme, il me dit, peut-être tu vas voir, je vais prendre un lance-pierre et m'en dégager de là. Je dis, mais non, tu vas les laisser. Bon, écoutez, je vous laisse. J'essaierai de vous reprendre demain, je ne sais pas, à moins que je filme un petit peu à Sephora, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas, on verra. Allez, sur ce, je vous laisse avec ce beau temps grisâtre que nous avons aujourd'hui, mais bon, il fait pas froid. Et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors nous sommes vendredi. La veille de mes vacances. je sors de la douche, mes cheveux. Voilà. Allez, n'est-ce pas? Et oui, je suis en soutien-gorge. Puisque je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je ne mets jamais ma tenue pour sortir. De boulot ou autre, hein, ma tenue. Je ne la mets jamais avant de me maquiller pour éviter les accidents. Donc j'ai tout, sauf la robe. alors, quoi de neuf? Je vais essayer j'ai un petit peu de temps. J'avais dit que j'allais mettre, je m'étais dit à moi-même, hein, que j'allais mettre mes petites barrettes là ailleurs pour les retrouver plus facilement. Est-ce que je l'ai fait? Eh bien non. Voilà, parce que sinon après je les cherche. C'est juste pour pas que... En ce moment je leur laisse... vivent leur vie, et comme ils ont tendance à friser un peu à certains endroits, attendez, est-ce que c'est mieux là? C'est mieux. J'avais bougé parce que je vous ai filmé un haul hier, donc là vous allez voir un produit du haul.
Le reste, je comptais me maquiller avec, mais donc vous savez qu'il y a du make-up. De toute façon, je vais vous dire où c'est qu'on est passé. Mais non, 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 je veux pas trop vous spolier non plus. Vous verrez la chose mercredi, en espérant que j'ai le temps. Parce qu'on a prévu plein de choses pour la maison, donc on verra. Alors, mettre ma base à paupières parce qu'après je vais l'oublier. Au moins comme ça sera fait. Faut que j'arrive, faut que je vous regarde à vous. Ça change pas. Alors, nous avons été faire les soldes avec Azélia puisqu'hier je ne bossais pas. Je ne vous ai pas pris du tout hier du coup. Je vais sans doute clôturer là. Mais vous aurez peut-être une petite séquence photo après. Parce que pour fêter nos vacances, nous allons au resto. Le resto, il n'est pas hyper loin, il est en face de chez nous. On ne prend pas. Et comme je finis relativement tôt, comme ça, dès que j'arrive, on se rejoint en resto, et puis voilà. Et parce qu'on aime bien fêter notre début de grandes vacances, même si on n'a que 2 semaines, en allant au resto. Chaque année, on le fait, sauf l'année dernière, je crois qu'on n'avait pas pu le faire. Je sais plus pourquoi. On avait une couille et on n'avait pas pu y aller. Voilà. Je veux essayer de me faire le teint aujourd'hui. J'en ai marre de pas me faire le teint. Voilà, je veux essayer. Donc, parce que c'est pas comme ça que les produits vont passer, hein, si je les utilise jamais. Forcément. Donc oui, nous avons été faire les soldes. Donc nous avons été à Sephora. Nous n'avons pas trouvé. Alors, comme je vous disais avant-hier. Sur Sephora, j'avais un panier virtuel de quasi 200 euros. Qui, quand je suis rentrée du boulot, déjà était bien descendu. Et je vous disais, je pense que je vais quand même me prendre la terracotta parce que enfin, j'ai flashé dessus, patati patala. Azélia me dit, ça fait des années que tu me le dis. À chaque fois, tu craques pas. Et ben, devinez quoi? Ben, j'ai pas craqué. Disons que. S'il n'y avait rien qui m'avait plu à Sephora du tout, moi j'ai pas eu un gros panier. Mais enfin, voilà, j'ai pas non plus des 100 et des 1000. Et le mois dernier, je pouvais profiter. J'ai profité le mois dernier. J'aurais peut-être dû mettre de côté pour faire les soldes. Mais il y avait aussi pas mal de promos. Donc j'ai profité aussi de pas mal de promos, beaucoup en scrap. Et c'est vrai, je me suis dit, bon, bah, les soldes, on verra. Parce que c'est l'année dernière, je crois que finalement en solde, j'avais pas trouvé grand-chose. Alors que sur les ventes privées, j'avais pas voulu prendre, pensant que ça allait être mieux soldé après. Et finalement, je me suis fait avoir, c'était l'inverse. Donc cette fois-ci, j'ai beaucoup utilisé les ventes privées. Donc, j'ai pas un budget hyper extensible, bien sûr. Donc, le prix de la terracotta, même soldé, c'est un certain coût dans le panier. Voilà. Et j'ai préféré prendre autre chose que prendre la terracotta. Si j'avais pris. Bon, du coup, là, vous n'avez pas de surprise, il n'y aura pas de terracotta dans mon haul. Si j'avais pas eu. Si j'avais pas pris tout le reste, oui, j'aurais pris la terracotta. Mais voilà. Ça, c'est moi. Donc, on a fait. Donc, Sephora. On a fait Nocibé. Donc, je ne vous dis pas ce qu'on a eu, puisque vous allez le voir dans le haul qui va arriver. Si je refais des magasins, je ferai un haul joint. Mais. Enfin, voilà. Sinon, vous aurez un petit haul. Je sais pas. Je sais plus où j'en suis. Voilà, là. Il faut que je me concentre. Il ne faut pas non plus que je tarde trop, même si j'ai un petit peu d'avance. Il ne faut pas non plus que j'exagère. Et après, nous avons été à Nocibé. Et là, à Nocibé, on a trouvé un produit chacune. Nocibé en soi, ce n'est pas le souci. C'est un magasin qui est assez petit, assez étriqué. En plus, il y a les box au milieu de soldes et tout ça. C'est pas un magasin où tu peux te déplacer aisément sans. Voilà, surtout s'il y a du monde. Hein. Et j'ai eu la charmante surprise de sentir que quelqu'un forçait le passage dans mon dos avec un sac à dos. Voilà. Donc je me suis pris le sac à dos qui était plein dans le dos et il a forcé ce connard. Alors oui, vous sentez que je suis en colère parce que oui, je suis encore en colère. Je me dis, mais le sang gêne, j'ai pas arrêté de faire des réflexions, pas une seule fois il s'est retourné, excusez, pas une seule fois. Pourtant, j'en ai fait des réflexions. Quand ils sont partis, Azélia était à la caisse, ils ont voulu repasser par là où ils étaient arrivés, donc par la caisse.
C'est pas comme s'il n'y avait pas de place, pas énormément de place, mais bon. Quand on est con, on reste con, hein. Et tout fort, je dis à Zélia, fais gaffe, fais gaffe, hein, fais gaffe à ton dos, hein, attention, hein. Et j'ai bien regardé le mec en face, mais dans les yeux. Il m'a bien regardé, mais il m'a pas dit, oui, c'est bon, excusez-moi pour tout à l'heure. Non, non. J'ai tout fait pour l'azimer, pour qu'il me le dise. Il aurait pu, ne serait-ce que m'envoyer chier, ça voulait dire qu'il m'avait entendu, mais voilà, il l'a fait exprès, comme ça, j'ai pas entendu, je comprends pas de quoi elle parle, connard. Pourtant, j'ai gueulé quand il m'a tapé sur le. Enfin, quand il a forcé le passage et que ça m'a appuyé sur le dos. J'ai. Enfin, je pense qu'Azélia peut en témoigner. J'ai pas gueulé, mais j'ai parlé très fort pour qu'elle entende. J'ai dit merci pour le sac à dos, parce que je me suis tournée comme ça, j'ai vu que c'était un sac à dos. Et surtout, faut pas s'excuser. Il était à côté de moi, il était à moins d'un mètre. Donc, avec ma jolie voix qui porte pas, je pense qu'il m'a bien entendu. Eh ben, voilà. J'ai adoré. J'ai adoré. Putain, les bandes de cons comme ça, mais restez chez vous, quoi. Faut pas sortir quand il y a du monde, hein, quand on est con. Ah, il m'a énervé. Je vais utiliser celle-ci. Parce que je les ai sorties pour les utiliser, n'est-ce pas? On va peut-être commencer à les utiliser. Parce que si je les sors, mais que je les utilise pas. Et que j'utilise autre chose, ça ne va pas vraiment le faire. En plus, il y a des petites teintes là, un peu. Un peu estival, on va dire. Je pense que je vais me maquiller avec les trois qu'il y a là. Il y a un lumineux et deux mats. Les deux mats sont plutôt sympas. Donc je pense que je vais me faire un petit make-up avec ça pour essayer d'amener le soleil qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc ouais, on a été à Nocibé, donc on a trouvé juste un petit truc. Ensuite, nous avons été à Boutique Success. Alors, j'ai un Boutique Success là où je travaille. Elles sont sympas les filles, elles sont super sympas et tout ça, elles sont souriantes, elles sont. Bon, il y en a un peu plus que d'autres, hein, ça c'est forcé, mais c'est partout. Il y a toujours des gens qui sont plus souriants que d'autres, mais bon. C'est pas dit qu'ils soient pas avenants, qu'on n'ait pas le bonjour, mais au revoir, mais merci, fait, voilà. Voilà. Et là, nous avons été au Beauty Success de la grande ville. On dirait qu'on les fait chier. Elles, déjà, elles étaient en train de discuter entre elles, on a dit bonjour. Ni Azélia ni moi, on est sûr qu'elle nous ait répondu. Donc, si aucune des deux n'est sûre, je pense que c'est qu'elle n'a pas eu. Voilà. Donc, comment voulez-vous que dans les autres boulots, les gens respectent si dans des petites boutiques comme ça, vous n'êtes pas fichu de le faire? Enfin, bon. Non, parce que ça va dans les deux sens, hein. On râle quand les clients ne nous disent pas bonjour, mais c'est normal aussi que quand on est quelque part, les gens, les gens du magasin disent bonjour aussi, surtout si on le dit. Si on ne le dit pas, je veux bien qu'elles soient lassées, qu'elles en aient marre et qu'elles se disent, eh ben merde, après tout, voilà, je ne dis pas bonjour. Mais quand les gens disent bonjour, répondez, quoi. Moi, quand les gens me disent bonjour, même s'il a une tête de con et même s'il m'a fait chier avant, je lui dis bonjour quand même, quoi. Oui, parce qu'il y en a, ils te font chier parce que tu vas pas assez vite, puis après, quand ils sont devant toi, ils sont tout mielleux. Donc, style la nénette pour l'histoire des gants. Enfin, c'est une autre histoire que vous avez eue. Et il y en a des jolis, des lumineux dans celui-là. J'avais pas vu qu'il y en avait autant de jolis, des lumineux. Enfin, on va continuer avec. Ah merde, il faut. J'ai oublié. On va continuer avec les mats, hein, pour le moment. Les mats, c'est pas les plus pigmentés, mais ils sont pas si mal. Si vous tombez sur. À Boti, alors, c'est Boti Success, ces palettes-là. Si vous tombez dessus, donc c'est la marque Joz. GO2Z dans un boutique succès, franchement, vous mouillez pas, vous mouillez pas, enfin, vous prenez pas de gros risques, elles sont déjà pas chères à l'achat et la pigmentation est vraiment pas mal. Ça fait, je crois que j'avais fait une vidéo dédiée. Si elle y est, je vous la mettrai dans le petit. Je crois que j'avais fait une vidéo dédiée à cette marque qui a pas eu beaucoup de vues, mais bon. C'est une petite marque, écoutez, ça paye pas de mine, mais je trouve qu'ils se démerdent pas trop mal. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup des produits Sephora, des produits Nocibé. Là, c'est une marque qui est vendue exclusivement chez Boutique Success, si je ne me trompe pas. Hein, après, je peux me tromper. Et vous voyez, la pigmentation, elle n'est pas folle, mais ça marque bien quand même. C'est pas, ça a pas fait un aplat comme l'autre fois, ça n'a pas fait une tache. Mais
Enfin, j'ai pas trop de problème à me maquiller. Pour les gens qui sont débutants, on va dire, mais qui veulent quand même un petit peu de pigmentation, mais enfin, qui se sentent qu'il y a un petit peu de pigmentation, mais pas non plus de trop comme certaines palettes et que c'est difficile de se rattraper, c'est une bonne alternative. Voilà, à tout petit prix. Donc si vous les voyez en solde, franchement, moi je serais vous. Jetez-vous-y dessus. C'est une très bonne marque. J'aime vraiment bien leur petite palette. Petite, tout est relatif, parce que c'est quand même pas les plus petites que j'ai pris. Hein. Et donc on va mettre le petit lumineux. Alors j'hésite parce qu'il y en a plein des lumineux qui sont sympas. Celui-là, il est peut-être un chouï moins lumineux que ce que je pensais. Et il me fait penser au. Je sais pas si vous allez bien le voir, parce qu'il est assez clair. Au. Un des lumineux de la palette la white peach de celle que j'adore. Oh celui-là. Oh celui-là, il est beaucoup plus lumineux. Voilà, on le voit bien celui-là. Et celui-là. Mais plus dans les. Ah, c'est entre le rosé et l'orangé. Il n'est pas défini comme couleur celui-là. Il est mélangé. Ça serait bien avec mon mélange de couleurs que j'ai fait. Je ne sais pas. Ah, il faut que je change ma boîte à mouchoirs. Oui, j'ai une boîte à mouchoirs là, c'est pour ça. Après, il y a d'autres lumineux là. Celui-là, par exemple, il est super beau. Alors, ils sont un peu secs hein, comme matière. C'est pas une matière hyper crémeuse. Regardez celui-là. Il est super joli. Je suis dans la mouise parce qu'il y en a plein maintenant qui me plaisent. Ou alors je pars tout à fait sur autre chose et je mets du rose hyper lumineux. Celui-là. Oh, c'est pas vrai. Non, je vais mettre celui-là, là, le deuxième qui est un peu plus lumineux que le premier que je vous avais swatché. Non, parce qu'il faut que je prenne une décision. Parce que j'ai pas non plus des 5 et des 1000, quoi. Hein? Il me reste plus le reste du make-up à faire. Donc, faut que tu te. Et par contre, je mets le turquoise en rat-il. Celui-là, j'ai ouvert la palette. Je suis toi, tu vas venir sur mon rat-il. Toi, c'est sûr. Il est trop joli. Après, voilà, moi, je vous dis, c'est des petites palettes. J'ai pas chaud du tout, ça se voit pas, n'est-ce pas? Enfin, je sais pas. Si vous en rendez compte. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, un petit peu de chute, j'ai oublié de le taper. Eh oui, j'ai oublié de le taper. Vous voyez, il se dépose bien quand même. Que je me trompe pas de fard. Je vais le taper cette fois. Pour éviter d'en avoir partout. Il est vraiment super joli. Je sais pas si au doigt ça changerait quelque chose. Je pense pas. Pas avec cela. Je pense pas. Ah si. Autant pour moi. Ça intensifie un peu. Est vraiment 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 joli et je vais prendre je les ai effacés un clair un très clair celui-là il a l'air bien clair pour le coin interne le ventilo il est pourtant face à moi mais non non je ne suis pas sensible à la chaleur non mais non non. C'est une impression seulement. Ouais, ça fait un joli petit coin de lumière. Pas trop intense. Juste ce qu'il faut. En sachant que de toute façon, voilà, il ne va pas rester intense longtemps. Parce que moi, j'ai le chic de me gratter l'œil après. Ah non, j'allais l'enlever, mais non. Elle va bien tenir ma bébé crème, je vous le dis. Il faut que je me fasse mon rat de cils. Donc. Il faut que je trouve le bon crayon. Où je mets celui-là. Je sais que celui-là, ça ne marchera pas. Attendez, excusez-moi. Ça, c'est trop bleu. Ça, c'est trop violet.
face holographique, non. Est-ce que je prends dans les Max & More? Il y en a un peu turquoise, on va voir. On va voir. J'ai sûr de l'emballage. Oui, toi, je t'ai gardé en cas où. Ouais, il marque, ça va, quoi. C'est pas trop mal, quoi. L'autre fois, j'avais pris une couleur un peu nude. Je sais plus ce que j'en avais pensé. Mais je crois que... Je trouvais qu'il marquait pas des masses quand même, non? Je sais plus. Je ne sais plus. Et donc, pour mon rad, s'il est... Ouf, alors déjà, on va estomper un peu le crayon. Je vais prendre celui-là, moi, comme ça. Et je vais mettre le beau turquoise. Il est super joli. Alors, je sais pas si vous vous en rendrez bien compte. Mais je trouve qu'il est vraiment super joli. Alors, il est moins intense que dans la palette Essence. Mais écoutez, ça va, j'aime bien. Et je vais mettre par-dessus, juste au coin externe, le rose brique, là, un peu, que j'ai mis au coin externe. Juste pour faire un raccord entre les deux, quand même. Qu'on ne se dise pas que j'ai juste pété un câble et que... Arrêtez, je m'en fous. Voilà, c'est juste léger, hein. C'est juste histoire de faire un mini raccord. T'en peux plus ma fille, toi. Elle a chaud là, pour... Cette nuit, apparemment, elle a eu moins chaud parce qu'elle est restée sur le lit. Alors que d'habitude, elle en descend. Elle reste pas sur le lit, mais là, elle est restée sur le lit. Quoique non. Non, elle n'était pas sur le lit. Je ne la sentais plus sur mes pieds. C'est dans la nuit qu'elle est remontée. Elle a dû remonter à la fraîcheur, je pense. Ou quand elle entend, enfin quand l'homme est parti, qu'elle l'a entendu, ça l'a réveillée. Voilà, peut-être. Je ne sais pas. Mes liners, je les ai où? La fille qui sait où sont ses affaires. Parce que le celui que j'utilise d'habitude. Je crois qu'il est naze, de chez naze. J'ai du mal à faire mes liners en ce moment avec. Je vais essayer. Et sinon, j'en ai sorti. J'ai sorti celui de Rimmel. C'est pas celui que je préfère, mais... Écoutez, il faut en sortir un. Donc, on va voir. Ah, je trouve qu'il a de plus en plus de mal à marquer. Il marque encore, hein. Mais il y a plus en plus de mal. Oui, j'ai même pas fini mon histoire. Enfin, mon histoire. Mon résumé d'hier. Donc. Bon, multi-succès, on passe. Hein. Elles sont nulles. Hein. C'est pas une généralité, heureusement, mais celle-là, en tout cas, le son. Multi-succès, petite anecdote. Quand il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Enfin, je sais pas, peut-être un peu plus. Hein. On y a été avec... alors, c'est Azélia parce qu'elle m'a rappelé que... oui, enfin, le truc, ça rappelle. De ce qui s'est passé, ça rappelle. On rentre dans Boti Success et je sais pas, on ne devait pas avoir la tranche de la clientèle type. Enfin, de la bonne clientèle, quoi. La patronne, je vous l'avais raconté, je crois. La patronne nous suivait dans tous les rayons. Elle surveillait tout ce qu'on faisait. Et moi, quand tu commences comme ça, ben, tu vas en chier. Parce que je touche tout. Tout ce que je peux, je touche. Je touche, je sens, je... Voilà, je regarde, je prends dans la main, je m'en vais, je reviens, je repose. Histoire de te faire chier. Voilà. Tu m'emmerdes, je t'emmerde. On est rentré. Si encore on avait fait quelque chose qui... Mais non. On était rentré et d'entrée, je sais pas.
On n'avait pas la tête de la clientèle. Vous voyez, il a du mal là. On n'avait pas la bonne tête de la clientèle. Et elle nous avait suivis, mais dans tout... elle se mettait au bout du rayon. Et elle surveillait. Voilà. Bon, le magasin n'est pas hyper grand. Donc, surtout que voilà, elle aurait pu le faire un peu plus discrètement de derrière sa caisse. Je pense qu'elle voit aisément. Ou style, je viens ranger quelque chose. Non, non, là c'était flagrant. Elle nous surveillait. Et bien, d'une, on n'a rien acheté. Et de deux, j'ai fait chier tout le long. Ouais, celui-là, je pense qu'il va pas. Il va pas durer longtemps. Donc, bon, voilà. Après, on a été à Bouchara. Elle a trouvé quelque chose pour elle. Moi, j'ai rien trouvé. Il y avait pas nos moins 70. On les a cherchés. Pas un article à moins 70. Pas un seul. Donc, on attend. On verra peut-être les prochaines fois. Mais là, tu annonces du moins 70, mais tu n'en as aucun dans le magasin. Ça fait un peu. Je sais pas, ça fait bizarre, quoi. Et pourtant, je vous dis, on a bien cherché, on a bien regardé. Donc là, après, on est parti à Kiko. Et là, c'est la blague. J'ai oublié d'aller voir sur le site hier, j'étais claqué du coup. J'ai complètement oublié d'aller voir sur le site. Ils nous prennent pour des cons ou quoi, Kiko, là? Non mais sérieusement. Les soldes, c'est 3 produits achetés, 1 offert. Dans les 3... comme on disait, tu prends une palette, tu prends un bronzer et tu prends un vernis. C'est le vernis qu'ils vont t'offrir, mais tu t'en qui non, mais... Ils sont sérieux, là? Enfin, là, moi, je te demande à faire plusieurs paniers. Tout ce qui est cher ensemble et les petits prix ensemble. Non, mais ils sont sérieux? C'est ça, leur solde? J'ai pas été voir sur le site, donc je vous mettrai une annotation si c'est autrement sur le site. Mais la boutique où on a été... C'était ça. Après, on est passé à Yves Rocher parce que je voulais voir s'ils avaient. En boutique, il restait de la gamme Mon Oeil, mais de l'ancienne édition. Et non. Voilà. Il ne restait pas. Donc, moi, j'ai passé une commande pour pouvoir avoir quelques trucs de l'ancienne édition. Je m'en fous du nouveau packaging. Hein. Et j'ai peur qu'ils aient changé l'odeur en plus. Comme là, on ne pouvait pas sentir. Donc, je vais vite le voir parce que j'ai eu la petite bouteille de parfum en promo. Nouvelle édition. Et je vais voir si... parce qu'il me reste un fond de l'ancienne. Si c'est vraiment la même odeur. On verra. On verra quelle heure il est. Ouais. Oui, ça va. Ça va, ça va, ça va. Et bon, après, il ne me reste plus qu'à enlever les deux barrettes là et sortir la grossette. Et après, qu'est-ce qu'on... Et ben après, c'est bon, on est rentré. Mais Kiko, ouais, c'est la blague. Ils sont sérieux, là? Oui, je voulais aller à CA et tout ça. J'en avais marre, j'avais mal au dos. Donc, ça, le temps m'a dit, tu vas en chier aujourd'hui. Je l'ai bien compris. J'ai bien eu son message. Donc ouais, je commençais vraiment à avoir mal au dos. J'avais mis mes espèces de fausses Converse que j'avais achetées à Primark. Elle commençait à me faire mal aux pieds aussi. Alors il me faut des chaussettes plus hautes, qui remontent plus, un peu, légèrement plus sur la cheville. J'allais le mettre sur... Ça fait, je crois que c'est la deuxième fois que j'ai failli faire ça. Là, elle commençait, ouais, alors que j'avais mis du Bariaderme, mais je crois qu'heureusement que j'en ai mis d'ailleurs parce que ça a évité que j'ai une vraie ampoule. Mais c'était un peu rouge ce matin, hier soir, quand, hier après-midi quand je les ai enlevés. Ah si, et après je suis passée à mon magasin que je déteste, enfin pas mon magasin, le magasin que je déteste le plus au monde. Parce que je n'aime pas leur politique de boulot, j'aime pas de la façon qu'ils bossent, j'aime pas la... Enfin, j'aime rien dans ce magasin, mais je reconnais qu'ils ont des... bons produits, donc je n'y vais que pour acheter ces fameux bons produits, et je parle de Lidl. Donc je suis passée parce qu'ils avaient le défroisseur à 20 €, dans mon magasin il est à 40 €, donc et Silvercrest c'est une bonne marque, j'ai mon balai vapeur qui est de cette marque et tout. Franchement, j'ai jamais eu à me plaindre des produits de leur marque. Enfin, qui vendent dans leur magasin. J'ai
à me plaindre de l'état d'esprit de la marque. De comment ils... Enfin, comment ils prennent les clients pour des cons, comment ils prennent les employés pour des cons, et que personne ne dit rien et personne ne voit où est le problème, quoi. Ça me... Comment vous pouvez accepter... Alors, c'est une chose que moi, ça passe pas. C'est pour ça que j'y vais pas, parce que je veux pas me prendre la tête. Une seule fois, j'ai voulu y faire mes courses toute seule. Déjà, le chariot, j'arrive pas au fond. Et cette connasse de caissière... Alors là, excusez-moi du terme, mais c'est le terme. Parce que j'étais à côté... eux, ils passent par le devant, quoi. J'étais à côté d'elle. Elle a vu que j'arrivais pas à attraper le produit. Elle a rien fait pour m'aider. Je lui ai dit que j'arrivais pas. Et par contre, elle a soufflé parce que je n'allais pas assez vite. Donc, ça, c'est un truc qui me gonfle. Et le truc de dire... si du moment que tu as payé, il commence le produit suivant, le client suivant. Il ne te laisse même pas ranger tes affaires. Donc ça, c'est un truc qui a tendance à m'exaspérer. Donc moi, je ne paye qu'une fois que toutes mes affaires sont rangées. À leur grand désespoir, en général, ça râle. Et je m'en fous. Et je comprends pas que personne ne dise rien. Je... Non. Ça, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Si autant les employés, parce que pour connaître quelqu'un qui y a travaillé, c'est du verbal, l'histoire de la minute et tout ça. Je ne sais plus combien c'est de passages. C'est 33 articles par minute, je crois qu'il faut qu'il passe, quelque chose comme ça. Vu que c'est verbal, s'il n'y a aucun employé qui le faisait, comment ils peuvent obliger, puisque c'est du verbal? C'est pas écrit. Bon, bien sûr, il ne faut pas être con, il faut attendre d'être embauché. Mais une fois que tu as ton CDI, que tu es installé, bon, après, ils te font chier. Ma collègue, elle est partie à cause de ça. Parce qu'elle, elle refusait, justement. Mais bon, en attendant, si tous les employés le faisaient, ben, ils n'auraient plus la même mise dessus. Ils pourraient plus obliger ce genre de choses. Et bien, voilà. Et si les clients gueulaient un peu de dire « Non, mais vous attendez que je range mes affaires » ou tout bêtement qu'ils payent pas tant qu'ils n'ont pas rangé leurs affaires. Moi, j'ai une amie qui s'est fait engueuler parce qu'elle n'allait pas assez vite. Hein. Pardon. Donc, là, non, je déteste ce magasin. Donc là, j'y suis allée parce que j'avais un article à acheter. J'ai trouvé des trucs pour ranger, donc j'en ai acheté deux. C'est des choses que je savais que je pouvais ranger relativement facilement, rapidement, que je ne me prendrais pas la tête avec la caissière pour ça. Mais c'était à Leader Price. J'allais faire mes courses plus souvent à Leader Price parce j'en avais un dans une zone qui m'allait bien. Et il n'y avait personne derrière nous. Personne. On était les seuls clients dans le magasin. Elle passe mes articles et bon, nous, on n'a pas fait gaffe. L'habitude de nos caisses à nous... On avait les œufs et après les boîtes de conserve, dans l'ordre de sortie du chariot, quoi. Elle m'a balancé les boîtes de conserve sur les œufs. Enfin, balancé, elle les a fait glisser, quoi. Là, j'ai gueulé. Et je dis, non, mais doucement, ça se casse peut-être, non? J'ai dit, moi, si c'est cassé, je prends pas. Et on disait, si un jour, on nous fait chier, ben, je plante tout, je me barre. C'est vite vu, hein. Je préfère aller refaire mes courses à un endroit qui m'emmerde pas. C'est vrai, j'aime pas ce magasin. Donc, j'y suis passée vite pour ça. Après, voilà, ils ont des bons produits, ce qui me fait chier d'ailleurs. Parce que, à m'écouter, j'irai pas du tout, mais ils ont des super bons produits. Donc, je suis pas couillonne non plus, hein, je vais profiter des bonnes affaires. Mais... Voilà. Donc, vous avez un petit spoil de la vidéo du haul. Petit. Voilà, vous voyez mes cheveux, comment ils font quand ils... Là, en ce moment, alors passé un temps, ils ne le faisaient plus, ils ne bouclaient plus, et puis là, de nouveau, ils rebouclent. Alors, normalement, un cheveu qui boucle, c'est un cheveu sec. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, je pense que là, ils sont un peu plus secs que la normale, et du coup, ben, ils ont tendance à boucler. Et c'est l'heure. Voilà, bon, ben, écoutez, je vais vous abandonner. Donc, je clôture ce haul-là, ce haul, ce vlog. Ce vlog là, je vous reprends. Alors voilà, la semaine prochaine je suis en congé, donc je ne sais pas du tout si je vais vlogger ou pas. Vous aurez la surprise, ou il y en aura peut-être un seul sur les 15 jours, je ne sais pas, on verra.
Là, je peux vraiment pas vous donner de renseignements. Je ne sais pas comment ça va tourner. On va faire beaucoup de choses dans la maison. J'essaierai sans doute de quand même de vlogger un petit peu quand je sors la sœur madame. Mais voilà, je peux absolument rien promettre. Voilà, j'essaye de les coiffer. Je ne sais pas s'il y a du vent. Parce que non, il n'y a pas l'air d'avoir trop de vent. J'allais dire, si je m'embête à les coiffer et que je sors dehors, qu'il y a du vent, ça va servir à rien. Il faut juste que je pense à prendre ma pince. Et bon, quoi qu'arrive, je pense que comme je vais faire un petit peu de solde, vous allez avoir quelques vidéos. Là, aujourd'hui, vous n'aurez pas de vidéo parce que j'ai pas fait mon montage de ma vidéo scrap. J'ai un peu du mal en ce moment. Enfin, du mal. C'est pas du mal, c'est au niveau du temps. Avec le fait d'avoir mon jour de repos décalé et tout ça. Voilà. Enfin, vous verrez. Écoutez, vous savez que là, pendant 15 jours, à partir d'aujourd'hui que vous regardez cette vidéo, pendant 15 jours, je suis en vacances. Donc, on ne bouge pas de la maison, ce qui fait qu'il n'y aura pas grand-chose à vloguer. Et on va s'occuper essentiellement de la maison. Donc, je ne vais pas passer mon temps à vous dire, ah bah oui, regardez mon bordel avant et regardez mon bordel après. Non, vous le savez que ça, non. Enfin, vous le saurez d'entrée. Donc, écoutez, j'essaierai de vloguer un petit peu quand je sors la chaîne. Donc, ça sera exclusivement de l'extérieur, je pense. Ou là de la chambre, si je veux tester quelque chose ou quoi. Enfin, voilà, on verra. On verra, on verra. Je ne sais pas ce que l'avenir me prévoit. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Bisous!